Je vous dis, notez bien, parce qu'on les connaît pas tous, hein, les aliments riches en zinc, même en cité, hein, c'est déjà difficile. Alors avant de vous écouter, Sandra, nous sommes allés vous demander, madame, monsieur, si vous avez des techniques ou des astuces pour doper votre système immunitaire. Ah ben ça, j'en sais rien. Il y a déjà avoir une bonne alimentation. Hein. Prendre des vitamines pendant l'hiver, vu qu'il n'y a pas de soleil. Un peu de miel, un peu de rhum, des fois. Ou l'huile de foie de morue aussi. Moi, je prends du jus de citron le matin. Le sport, le sport, le sport, le sport. Alors là, je sais pas. Je sais qu'il en faut, mais je ne sais absolument pas quels sont les aliments. Alors là, j'en ai aucune idée. Tout ce qui est lentilles. Les noix. Les lentilles, je crois. Il y a peut-être d'autres aliments, mais ça m'échappe pour l'instant. Je ne sais pas. A priori, comme le zinc, c'est du métal, je me dis, ah, je vais pas mettre du métal dans mon corps. Les bienfaits, non, je connais pas trop. Non. Peut-être sur l'humeur. Pour la santé, ça fait partie une des vitamines qui sont indispensables. Le zinc, ça renforce les défenses immunitaires, je crois. On a beaucoup parlé des bienfaits du zinc. Ça m'étonne pas qu'on en reparle dans cette très très bonne émission qui s'appelle William à midi. C'est vrai ça, ce garçon. Alors, remercie. Il faudra le faire venir souvent, lui. Ben, vous lui changez de casquette, des trucs comme ça. Ah, voilà. Tiens, un nouveau. Alors pour commencer, on a compris, les aliments riches en zinc pourraient booster le système, le nôtre, immunitaire. Mais c'est quoi le zinc dans notre alimentation? Et exactement, parce qu'on a dit, on a entendu, là, c'est du métal, je vais manger du métal. Non, c'est pas ça, hein, rassurez-vous. C'est, pour faire simple, c'est un élément indispensable qui est dans notre organisme pour plusieurs raisons, parce que c'est un antioxydant très fort, ça veut dire que ça va aider à renforcer vos défenses immunitaires, effectivement, William. Alors, il y a certaines études, d'ailleurs, qui démontrent qu'avec une supplémentation en zinc, on peut réduire la durée, la gravité d'un rhume, par exemple, j'y reviendrai. Ah bon ? C'est plutôt pas mal. Si parce c'est qu'on bien peut rien faire contre le rhume. On l'a dit souvent ici, c'est une semaine, puis c'est une semaine. Voilà, ou alors c'est 8 jours. Eh bien, j'y reviendrai sur la fin de la chronique, justement. Une c'est petite technique pour vraiment réduire la durée du rhume. Et puis, alors c'est bon aussi pour la peau, pour les cheveux. D'ailleurs, quand vous êtes carencé, vous le savez, parce qu'en général, vous perdez vos cheveux, vous avez tendance à avoir les ongles cassants, la peau qui pèle. Une carence de zinc. En général, c'est ça, le manque d'appétit. Et il faut savoir, et c'est ça qui est très important, c'est que le zinc, il n'y a que l'alimentation qui vous l'apporte. On ne sait pas ni le stocker, ni le fabriquer. Oui. Donc, il va falloir apporter ça. Alors, ça se trouve essentiellement dans la viande de bœuf, dans les abats, dans les fruits de mer et dans d'autres aliments dont je vais vous parler aujourd'hui. Bon, on va y revenir. Alors, quels sont justement ces aliments particulièrement riches en zinc que vous nous conseillez? Crayon papier, c'est maintenant. C'est maintenant. Alors, notez bien, ce que je vous conseille en priorité, ce sont les graines de courge que j'ai ici. Allons bon. Les graines de courge. Et on mange ça comment et où? Ça se parsème sur vos salades. Vous faites. Oh, j'en mets partout, moi. Donc, un plat de pâtes, j'en mets tartes, un peu dans les tartes. Graines de courge. Ouais, ça se mange même comme ça. Hein, si vous aimez picorer les graines de courge comme ça, il n'y a aucun souci. Faites voir que je picore. C'est picorer, très, très bon, vous allez voir. Picorer. Hop, graines de courge. Alors, bien sûr, ces graines de courge, elles sont riches en vitamines, en minéraux, en fibres alimentaires, William. Là, vous faites le plein d'antioxydants, tout ce qu'il faut. C'est vraiment un mélange gagnant et plein de zinc pour le système immunitaire. Et c'est pas mauvais. Non, ça a du goût. Oui, ça a du goût. Ça a vraiment du goût. Ça croustille un petit peu, c'est assez sympathique. Mais il faut y aller, il faut être généreux. Hein. Bah, on y va, soyons généreux. Oui, il faut en avoir quand même suffisamment. Sinon, et régulièrement. Il faut qu'il y en ait un peu tous les jours. Si vous n'êtes pas trop graines de courge, eh bien, il y a le chanvre. Est-ce que vous connaissez le chanvre? C'est moins connu, pareil. Hein, ça va se parsemer, etc. Et puis, pareil, ça a de bonnes graisses et c'est riche en zinc. Donc voilà pour ce qui est des petites graines que je vous propose aujourd'hui. Vous disiez que la viande de bœuf était riche en zinc, mais uniquement celle-là? On va dire que la viande en général est riche en zinc, mais la viande de bœuf particulièrement riche en zinc, ça va c'est vrai. La réhabilité, dites-donc, parce que j'entends beaucoup de gens dire « la viande mollo hein. ». Bah justement, pour ceux qui se disent… Alors oui, il ne faut pas non plus en consommer tous les jours, parce que c'est toujours pareil, attention les mauvaises graisses. D'ailleurs, ceux qui se disent « ah bah oui, mais la viande de bœuf, c'est gras », il y a des morceaux vraiment maigres, n'ayez pas de crainte, gîte, paleron, bavette, rhum steak. Et si vous avez un doute, vous demandez à votre boucher, il saura vous conseiller. Hein. Donc, il existe des morceaux maigres. Si vous n'êtes pas trop viande rouge et
que les abats vous tentent, j'aimerais que vous les réhabilitiez aussi, parce que les pauvres abats, on les oublie, et ils sont riches en zinc, et ils sont riches en fer. Et puis, c'est bon aussi, un bon petit foie de veau, je ne sais pas, William, mais j'aime bien. Un peu, oui. Ouais, donc, pas trop cuit, bien. Pas trop cuit, comme il faut, riche en fer, riche en zinc, on est bon, ça ne te plaît pas. Alors, si ce n'est pas ni les abats... Non, pas trop, non. Je préfère le chocolat, là. Ça, c'est un mauvais souvenir. Ça va arriver, ça va arriver. Mauvais souvenir d'enfance, peut-être, non ? Peut-être, oui, c'est ça. Il faudrait que tu regoutes, hein, je ne sais pas. Faudrait, voilà, une autre préparation. Faudrait. Pour ceux qui ne sont ni abats, ni viande rouge, les fruits de mer. J'espère que tu aimes. Les fruits de mer, c'est... J'adore. Voilà, c'est très riche en zinc. Et d'ailleurs, il y a l'aliment le plus riche en zinc, ça va être les les huîtres. Les huîtres, 2-3 huîtres, ça vous apporte la totalité de ce dont vous avez besoin en zinc pour la journée. 2-3 huîtres seulement. Oui, même celles-là, ce que vous voyez là, sont gratinées, sont chaudes. Oui, après il y a autre chose par-dessus, mais c'est pas très grave. Crabe, crevette, si vous aimez, c'est un peu moins riche que les huîtres, mais c'est quand même très riche aussi. Allez-y, oui, fruits de mer. Faites-vous plaisir. Alors moi, j'en ai parlé un petit peu en avance, mais le chocolat, je vois que tu as des carrés. J'ai vu, tu l'as regardé. C'est plein de zinc, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, c'est vrai, complètement, tu as dit vraiment quelque chose de vrai, sauf que je parle que du chocolat noir, c'est bien du noir que j'ai ici, c'est le noir qui contient du zinc. On n'en fait pas sa source principale de zinc, parce que même si ça a des choses intéressantes, c'est quand même gras, on ne va pas manger une tablette par jour. Sous prétexte qu'aujourd'hui j'ai dit que c'était riche en zinc, ce que je veux conseiller, dommage, c'était la bonne excuse, ce que je peux conseiller aussi à nos amis végétariens, végétaliens, c'est tout ce qui est de la famille des légumes secs, comme ici, là on a haricots rouges, haricots blancs, pois chiches, lentilles, c'est très riche en zinc, et les flocons d'avoine. Les flocons d'avoine, vous usez un petit peu, un bol de flocons d'avoine, c'est riche en fibres et ça apporte 20% de vos besoins en zinc. Donc c'est plutôt pas mal. Mais si on n'aime pas tout ça, imaginons, est-ce qu'il faut faire pour le coup des cures de zinc en complément alimentaire, par exemple? Mais effectivement, comme je vous l'ai dit, notre corps ne sait pas stocker le zinc. Alors, si tous les aliments dont je viens de vous parler, vous ne les consommez pas, oui, il existe des cures et je vous les conseille dans ce cas-là. C'est tout simple, c'est des petits comprimés. C'est des cures en général de 3-4 mois, 5 mois. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, pour réduire de moitié la durée d'un rhume, vous pouvez faire des cures un peu plus fortes sur 7 jours, mais il faut le faire dès le début des symptômes. Là, vous demandez un conseil à votre médecin, bien entendu. Mais c'est possible, attends, ça réduit. Donnez-moi ça, je le montrerai à Mathieu demain. Je peux le garder ? Oui. Et une cure de ? Pour le rhume, et là, il faut une cure de 7 jours, mais plus forte que ce qui est indiqué là. D'accord, ok, parfait, ça. Ça, c'est pour le rhume. Et pour le reste, le zinc, les huîtres, viande de bœuf, haricots secs et graines de couche. Merci infiniment.